Bonsoir tout le monde, c'est la première fois que vous montez sous Palmis là avec nous, pas ici, pas oublié. Il y a un bouton rouge en bas, vous pouvez cliquer pour capable rester connecté avec nous. Vous pouvez faire geste ça, pèse subscribe, vous pouvez faire cloche là pour capable activer. Avocat personnel Donald Trump, Rudy Giuliani, qui est toujours à parler dans plusieurs médias pour défendre Donald Trump, porte-parole Donald Trump. Eh bien, monsieur, il y a un problème pire. En fait, gagné une bonne nouvelle révélation qui sortit sous Rudy Giuliani. En fait, nous voilà en paix. Donc, monsieur, là, d'ailleurs, monsieur, quand tu as cherché avocat, parle, et nouvelle qui se tombe, c'est que je dis à avocat, monsieur, fin dit avocat, je cherche avocat, avocat, il a dit qu'on n'y a pas représenté monsieur encore. Donc, monsieur, là, c'est ça, avocat. Ok, une bonne information qui tombe. Tenez bien. Yo, je vois monsieur te recevoir 500 000 dollars. Non, mais, des Ukrainien qui ont été fait arrêter semaine dernière là. Pas bien qu'ils ont arrêté nèg sa yo sous base que nèg ont été entré dans magou y a chercher cob en chercher brasse dans la Russie pour vider bay candidat notamment Donald Trump à bosser aux États-Unis, yon bagay qui illégal. Maintenant, nouvelle qui tombe c'est que eh bien Rudy Giuliani te recevoir justement 500 000 dollars dans nèg sa yo à travers une compagnie que yo t'a dirigé. Maintenant, bah là, prend la rue. Bon, ça, Giuliani répond. Monsieur dit que, bon, comme ça, justement, c'est comme il te recevoir à titre de service, que tu apprends Negio. En tout cas, il a mené une investigation. Donc, il dit deviner de Negio comme avocat pour te caider en bagaille fraude. Fait ses déclarations, il dit, il était bal job là. Pour, en termes de consultant pour garantir fraude sur des technologies et bien advice sous principe qui gagne. Et ça vous comprenez, fédéral prosecutor actuellement il a examiné justement interaction Giuliani avec compagnie associée ça qui non on a parlé là en bas pas la police pas bon ici. Donc et autorité dans New York justement. En fait, coïncidence, ça pour me dire, c'est que quelques années de cela, c'est Giuliani qui est dans New York qui t'a dirigé. Donc, mon cap de arrêté, monsieur, c'est boss. Et boss, il était. Ça veut dire que Giuliani était un ancien prosecuteur. Monsieur vient d'entrer dans la politique, font bonne bagarre. Actuellement, là, il va comprendre que monsieur vient de bagarre comme tout. Parce que monsieur, il a divorcé, il va la femme, là, fait le payer, tout ça, le on est pas son marié. Et que l'on a divorcé ou qu'a vint sous Bouddha. Mais c'est ça qui passe, monsieur. Monsieur vint pleinement bagen kob, qu'on y a, monsieur la gen ratete. C'est ça, vous comprenez là. Monsieur, t'as pas de détails, monsieur, obligé à raconter. Bon, racontez à Seyoun, parce que investigateur, ou même moi, il va chercher qu'on est. Bon, monsieur dit, bon, kob, ça, il te recevoir un déversement pendant chaque semaine. Il dit, bon, de la façon, lui-même, il va pas de date précise qu'il est que lui. Te joindre comme ça. Ça nous veut dire pour vous, financement international dans quatre contributions élection par Boris Zazini sont bagaillement illégal. Et c'est ça que Neki compagnie ça arrive fait complètement illégal. Parce que vous parlez pour gagner une puissance internationale à gagner pouvoir d'influence pour vous, le fait que le bon cob. OK? Donc avocat ça qui est le John Dow là, c'est lui-même qui t'a supposé avocat Giuliani dans moment là, il dit que lui-même lui retire col dans cause monsieur, il pas avocat monsieur encore. L'autre bagarre qui fait tomber encore mes amis sous Giuliani et avec le dit y a mené investigation criminelle sous monsieur parce que dit pendant plusieurs fois, la monsieur à la Maison Blanche, bon, c'est le dossier qu'il a parlé avec Donald Trump pour Donald Trump t'a extradé justement un clergé de la Turquie qui trouvait l'un pénitencier qui trouvait justement la Turquie. En fait, nous bien dire pour l'extrader un clergé de la Turquie qui trouvait l'un Pennsylvania qui, de manière, attendez bien, de manière, coïncidence ou pas, c'est une priorité pour la Turquie. Ça veut dire ça. D'après nouvelle, il a semblé que M. Gon complote avec la Turquie pour que vous t'avoyez clergé sa bayou.
Donc, comme monsieur vient contact Donald Trump, parce que mon capteur dans la maison blanche, chaque jour, monsieur vini, c'est des bases à la parole. En fait, il veut parler de non, mon nom, fait du la gluten. C'est-à-dire, si on monte en Turquie, c'est un clergé. Chaque jour, vini, des salabis Donald Trump, faut que extrader, monsieur, faut que extrader, monsieur. Et mon capteur dans la maison blanche, dit, monsieur, tellement parlé de bases de manière fréquente, chaque jour, vini dans la maison blanche. Ok? Et on fait comprendre que monsieur, c'est comme quand on a Dubaï, ça vini. Principal centre de conversation que monsieur gagne. OK? Maintenant, ça vient faire comprendre que avec l'hypothèse qu'on a, monsieur son aide t'a semblé en fait, il t'a travaillé pour la Turquie, un espion. Un espion de la Turquie. Un agent de la Turquie. C'est presque même avec travail film là, nous connaissons film dans prison ou bail ça. Parce qu'il t'a joué des jobs dans maison blanche et puis il a travaillé pour le gouvernement de notre pays. Ok, donc monsieur a beau prison en moment. Donc, c'est ça que vous plus gagner de nouvelles données qui a tombé sous Giuliani. Donc, attendre sous peu avec 75 ans, monsieur a là, sous peu, c'est son équipe qui est en prison. C'est son équipe qui est en prison. Parce que il y a trop dommages, des données qui font des dommages qui a tombé sous. Ok? Et c'est évident, effectivement, qui montre que monsieur Gombon Baracho, que li mêlé la donne. OK? Et donc voilà, nous devons vous update ça pour comprendre que Giuliani, avocat Donald Trump, 75 ans, eh bien, monsieur, n'a pas de problème dans le moment. On dit de manière générale, la Maison Blanche est en feu. Tellement qu'il y a un bon bagage qui a sorti. Chaque jour, on a des séries de témoins qui viennent parler normalement. Le plus souvent, c'est des séries qui étaient en dedans, qui sont révoquées. Puisque vous évoquez, vous ne pouvez pas parler de ça. Vous pouvez parler. Dans le cadre justement d'un dossier qui consistait à mettre Donald Trump à terre. C'est un dossier à plein de rebondissements. Ça y est, suspense. Et nous autres, nous avons porté justement à la minute toutes les données qui ont sorti dans le cadre d'investigation pour la guerre Donald Trump à terre. Et les gens qui sont à terre déjà, là, c'est Giuliani. Ça ne prend pas le temps pour nous entendre Giuliani qui a mis notre nom dans le bras. Quand vous laissez tout. On le sent pour tout le monde qui a travaillé dans la business de son plan. Ou y'a qu'on a quelqu'un qui a gardé au Kounia. Et qui a débat, il n'y a pas qu'à faire. Donc voilà. Vous êtes bon, je suis connecté puisque nous-mêmes, nous portons des informations pertinentes qui dominent l'actualité. Portez-nous bien.